Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Nous façonnerons notre propre destin. Le souci d'être grand et de se balader dans un château qui est petit. On se cogne assez souvent. Et j'ai un énorme plaie sur le front. Faisons en sorte qu'il n'en obtienne aucune réponse. Quoi de plus facile? Il est sûrement dans son bureau. Hop, à moi. Cosplay Albator. L'équipement. Sur quoi je peux travailler? Ok. Ne pas faire de blague, ne pas faire de blague. Désolé de vous interrompre. Oh, tu n'interromps rien du tout. Forcity mène une enquête. Donc la vérité éclatera tôt ou tard. Mais j'espère bien. Mais quand même, bouscule. Pars, c'est mieux. Qu'est-ce qu'elle lit ? Tu devrais partir. On dirait moins, genre. De parler maintenant. Allez, la panique ne sert à rien. Contrôle-la. J'espère qu'il y a un gros tort qui s'avance vers toi. Emdahl est mort. Saurais-tu quelque chose à ce propos? Quoi que ce soit? Eh bien, à vrai dire, tout le monde le détestait. Oui, certes. Mais n'as-tu rien vu du tout? Rien d'inhabituel? Enfin, peut-être. Il a bien frappé Trude pendant notre mission. Quelqu'un a pu l'apprendre et se venger. J'en sais rien. Insinuerais-tu que mon fils y est pour quelque chose? Je ne sais pas. Je vous jure. Il fallait que je sache. Je n'ai jamais cru que tu étais impliqué là-dedans. Content de te revoir. Bon, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai mal traduit un mot, là. Oh, vraiment? J'avais traduit au-delà du cri du souffle froid.
Mais c'est en fait le cri du premier souffle. Ça, c'est un autre endroit. Oui, mais je sais où c'est. Jeune homme, tu m'épates encore. Va, prends le masque, prends l'épée, prends l'oiseau. Trouve Thor. Vous partez pour Niflheim. Bonne nuit. Tu m'as manqué aussi. Casse-lui la figure. Dis, Ingrid, tu ne saurais pas où se trouve Thor ? Oui, je m'en doutais. Trude, pardon, le père de Thun m'a dit d'aller à Niflheim avec ton père. Je ne le vois nulle part et je me demandais si tu savais où je pouvais le trouver. Il n'était pas avec mon grand-père ? Non. Je crois que je sais où il est. Suis-moi. Je voulais également te parler d'Emdal. Non, pas ici. Tu as raison, plus tard. Attendez. Hop, voilà. Thor s'est passé avec qui Kratos se tapait au début du jeu ? Bah si, exactement. À Helheim, j'ai dit que je ferais comprendre à ta mère ce que devenir une Valkyrie signifie pour toi. Je voulais juste... te dire que j'étais sincère. Non, tu te fiches de moi. Et t'es encore en vie ? Je ne lui ai pas encore parlé. Mais je le ferai. Dès mon retour. On aura bien le temps de s'occuper d'elle plus tard. Merci, Loki. Les armes sont interdites à l'intérieur. On va devoir les déposer. Pourquoi ? C'est tout. Allez, par ici. Oh. Oh. Allez, sinon ils ne laisseront pas entrer. Ouvre l'œil. Il est ici. Trude, je suis... C'est bon. Salut, Thor. On dirait que tu es occupé, alors... Prends ton temps, d'accord ? Aucun problème. Rien de presse, vraiment, mais... J'étais sûre de te trouver ici. Qu'est-ce que tu fiches ici ? T'as rien à faire là. Et toi ?
t'aurais jamais dû venir avec elle. Qu'est-ce que tu fais, hein? Je me détends. Est-ce que j'ai dit que rien ne l'heure de début de stream. Parce que, en fait, hier, il faudrait qu'on y aille, hein? On ne doit pas faire attendre le... Bah, c'est pas ma faute, hein. Il a raison. M'occuper un peu de ma mère qui était à l'hosto. Donc tu parles de ton heure à toi. Père. Ne fais pas ça. Il est beaucoup trop tard. Le monde saura que le dieu du tonnerre est bon à deux choses. Tuer des géants. Et picoler. Et tout ce que ça dérange. J'ai même pas lancé ces prix. De très près. Je crois que les armes étaient interdites. Je rêve. Ce n'est pas toi. Thor. Hugin nous attend dehors. S'il te plaît, on y va. J'ai dit. Silence, morveux. Je m'appelle... Bagarre générale. Quoi? Non, je... Oh, allez. Non, non, c'est pas du tout ce que je... Ça s'est fait. Ne m'approchez pas. Je déteste cet endroit. Oui, je vais chercher nos armes. Tu pourrais nous aider, non? Tu pourrais arrêter. Les gars, ils s'en foutent, ils revivent à l'infini. Ils peuvent se taper à mort. Dans tous les cas, ils reviendront dans le village après. Avec Jeanne qui participe à la bagarre. La cuite qui dure des siècles. Ah bah pour les dieux. Allez, tire! Je tire à Odin si je tue des Enarias. Ils sont des
sa mort. On va vraiment les tuer. Un gros monsieur. Attrape ses bras, sortons-le d'ici. Joli combat. Désolée que t'aies eu à le voir comme ça. Non, non, c'est rien. Vraiment. Je suis forte, mais j'ai besoin de ton aide quand même. Ah, faut que je bouge moi-même. Ok. Allez, c'est pas si loin. Thor ? Buvez avec modération. Lève-toi. Oh. Trudy. Tu dois aller à Niflheim avec Loki, le père de tout l'ordonne. Debout maintenant, père. Je sais que tu es déçu. Moi, déçu ? Non. Non, 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 c'était un très beau combat. Tu ne vas même pas t'excuser cette fois, n'est-ce pas ? Après tout, ce n'était qu'un mensonge de plus. Grand-père ne s'est pas occupé de toi. Tu en as bavé, je comprends. Mais ce n'est pas une raison. On est avec toi. Maman et moi, on te soutient. Même quand tu es dans cet état. Nous t'aimons. Et tu le sais. Je pensais qu'on en avait fini avec tout ça. J'ai merdé. Ils ont des dieux psy. Ouais, tu as merdé. Tu veux un peu d'eau ou autre chose ? Ça ira. On part à l'aventure avec un gabouret. Dépêchons-nous, d'accord ? J'ai hâte.
menace de rentrer à Asgard? Amène-nous au morceau de masque. Ok. Même pas un doliprane. Ah, ça. Je sais même pas s'ils ont des doliprane divins. Oh bah là là. Ça valait le coup? Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien, mais j'espère que tu sais ce que ça lui a fait de te voir comme ça. J'étais ivre. Pas aveugle. Oui. Chercher le masque? Tu crois que j'ai envie de te porter jusque-là? Tu le portes? Je ne suis pas ton cheval de barque. Vraiment. J'espère que tu le sais. Ce n'est pas toi qui vas me dire comment élever ma fille. Remets-toi au travail. Ok. On dirait qu'il faut qu'on traverse ce mur. Tu dois d'abord faire quelque chose. Il va pisser. Ah non, on vomit. Prends ton temps. Non, on peut y aller. C'est ça, demi-géant, fils d'un puissant dieu aux attentes démesurées. Comment je pourrais savoir ce que ça fait? Hey, joli tour. Quelle porte! Je n'essaie pas de faire quoi que ce soit. Je soulignais simplement qu'on n'était pas si différents. Je n'ai aucune envie de me lier d'amitié avec toi. Encore un mur de glace. Thor, tu peux... En fait, je voudrais juste ajouter une chose. Si tu ne peux pas être toi-même, tu as peut-être aussi le sentiment de ne pas pouvoir suivre ta propre voie. Tu es certain que ça ne t'évoque rien du tout? Viens pas! Yeah.
Beau taureau. On est loin de l'atelier d'Ivaldi, hein? Assez loin. Bon sang, un ancien! Il a plein! Ne me plains pas, j'annonce un problème, c'est différent! Tu es content que je sois là pour t'aider, cette fois. Ne me remercie pas. Admets-le, l'épée fait une partie du travail. Faites la chance qu'elle t'aide aussi. Quelle fois! J'adore les Éléens. Il suffit de les pulvériser et... plus de problème. Pas de réflexion, pas de sentiment. Par ici, droit devant. Je vais m'amuser. Je crois pas qu'on doit aller par là. Et j'ai dit que je m'amuserais. Tu leur diras quoi quand tu les reverras? Si fait route, je veux dire. Si le père de tout est satisfait, peu importe. J'ai pas besoin que tu règles mes problèmes de famille à ma place.
content de toi de trouver le masque et qu'on puisse quitter cet endroit. Là-haut, on dirait qu'il y a un passage. Dégagez le passage. Apprécies-tu ta liberté? Être ici sans faillir constamment sur ton dos. Je... Eh bien... Oui, je crois. Ça change de ce à quoi je suis habitué. En bien. Il faudrait rejoindre le sommet de cette falaise. Arrête de penser. C'est quand même mieux quand je m'y attends. Alors, on est proche ? Peut-être. Je vais regarder. Bizarre ce moment. Avec Kratos peut-être pour en revenir. J'ai besoin d'un plus grand effet. Y'a le pas. J'espère que tout se passera bien quand tu reverras Sif et Trude. Ouais. Je peux espérer que français. C'est déjà ça. C'est là. Je te tiens. Ouh, c'est pas passé loin. Merci, Thor. Je ne compte pas perdre. Loki, tu as réussi. Nous allons accomplir de grandes choses en mettant nos forces en commun. Y'a pas de quoi. Excuse-moi. Je peux savoir ce que tu fais ici? Son père a tué Heimdall. Forcez-y peut le prouver. Emmenez-le. Non. Laissez-le tranquille, c'est un ordre. Tu avais promis que le sang des As ne coulerait plus. Que les tiens passeraient en premier. Ne crois-tu pas que le temps est venu qu'il paie pour ses crimes? Il a mis ta petite fille en danger. Il a détruit la vie de ton fils. Loki n'a pas tué Heimdall. C'est l'œuvre de son père. Ta fille est assez grande pour faire ses propres erreurs. Et ton époux s'est remis à boire sans que personne l'y force. Laisse-nous. Vous deux, un mot.
Ne vois-tu pas ce qui se passe? Il ne nous protège pas. Magni, maudit, nos fils. Et c'est vrai qu'on les a tués? Nous leur contions des histoires près du feu. Tu t'en rappelles? Nous leur sculptions des chevaux de bois. Nous jouions et nous rions jusqu'au coucher du soleil, quand ils s'endormaient sur nos genoux. Ils ont servi les desseins du père de tout et ont été brisés comme de vulgaires brindilles. Et pourquoi? Et si Trude était la prochaine? Retournez mon père contre moi, ma fille. J'ai aucune idée de ce qui se passe, d'accord? Tu sais, j'ai enfin trouvé quelque chose à t'apprendre. Hey, ça suffit. Jotun. Vu que Sindri est juste. Sindri, tu viens de me sauver la vie. Atreus. Ok. Content. Et en plus, il a gardé le masque. Je me suis enfui à temps, mais je ne suis plus le bienvenu à Asgard. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Sindri nous a indiqué où tu arriverais si tu avais des problèmes. Oh, je pensais que vous partiriez explorer sans moi. Non, petit. Ton père était trop inquiet. Toutefois, puisqu'on en parle... Mimir. Mon frère, je t'en prie, tout ce raffut et cette tension chez nous, ça ne te manque pas, nous trois partant à l'aventure? À retarder l'inévitable. Exactement. C'est pas une si mauvaise idée. J'ai hâte de montrer le masque à tout le monde, mais ça peut attendre. Hey, je suis de retour. Je vais chercher Tyr. Installe-toi à table si tu comptes rester. Alors, je vous avais dit que la clé le ramènerait chez nous. Tout ça grâce à un coup de marteau. La magie des nains n'a aucun sens. C'est vrai. Un jour, Lunda m'a fait un plastron à partir d'aboiements. Tu es rentré, j'ai toujours pas ce que ça comment. Je vais bien, mais j'espère qu'éveiller cette chose en valait la peine. Tu l'as récupéré? Que t'a-t-il montré? Je ne l'ai pas encore utilisé. Ils ont compris pour Emdal, et j'ai dû fuir. Au moins, Odin ne peut pas l'utiliser non plus. Mais si le masque ne t'a offert aucune réponse, tu n'as fait que dérober le plus précieux des trésors d'Odin, juste après que ton père a tué son plus fidèle ouais. allié. Là, il va vouloir nous retrouver, mais tellement... Ça pas en sécurité, même ici. Alors, on n'a pas le choix. Nous devons trouver Surt, sonner le Gjallarhorn et nous charger d'Odin. Et vite. Vous tueriez tous les Asgardiens et parleriez de légitime défense. Propose-t-il parfois des plans ou se contente-t-il de cracher sur ceux des autres? Le plan évident se trouve sous vos yeux. Nous n'avons pas besoin d'Odin pour l'utiliser. Nous pouvons nous faufiler à Asgard et le faire nous-mêmes sous son nez. Nous saurons ce dont nous avons besoin pour enfin briser cette prophétie de malheur. Si je puis me permettre, nous n'avons aucun moyen de nous rendre à Asgard. Il possède le grand corps, non? Oh, donc tu voudrais qu'il se faufile à Asgard en soufflant dans un corps qui résonne dans les 9 royaumes? Je voudrais surtout te coller mon pied dans l'arrière-train. Non, sur l'arrière-train. Dedans, ça fait mal. Pensez-y. Ne mettez pas vos pieds dans l'arrière-train de quelqu'un. Oui, c'est bon. Prends du fric, là. Ce masque fait miroiter des réponses faciles. Mais une chose est sûre, la facilité a toujours un prix. Atreus, toi qui l'as porté, qu'en penses-tu? Je le vois comme un atout. Au pire,
Il nous servira à appâter Odin. Au mieux, s'il possède les réponses, nous pourrons forger notre propre destin, sans verser de sang. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans Asgard. Je vous ai freiné dans votre quête. Et vous vous êtes demandé pourquoi vous m'aviez libéré. Moi aussi. Mais j'ai compris. Tout est clair à présent. C'est à moi qu'incombe cette tâche. Une dernière fois, je vais saisir ma lance et... je vais vous conduire à Asgard. Une petite minute. Si tu savais comment entrer à Asgard, comment ça se fait que tu craches le morceau seulement maintenant? C'est une très bonne question, mon frère. Attends, tu nous as caché ça. Tu nous aurais tous fait tuer. Et il fallait laisser le temps à Loki de découvrir son destin. C'est chose faite. Tout mène à ce moment. Si nous réussissons à entrer, je me chargerai d'Odin. Je ne t'arrêterai pas. Nous pouvons faire les deux. Bien dit, mon frère. Si le masque ne nous mène nulle part, il nous restera à Odin à nous mettre sous la dent. Ça me va. Alors allons-y, et faisons vite, avant qu'il nous voie venir. Il a horreur des surprises. Pas si vite, espèce de grande asperge. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce nouvel accès à Asgard que t'as déniché. Balance! C'est un vieux passage, on ne peut pas l'atteindre d'ici. Et d'où alors? Laissez-moi prendre mes affaires et je vous montrerai. Tu n'as pas d'affaires! Et où tu vas avec ce masque? Rock! Ça appartient au petit! Il l'a gagné! Toi, tout ce que tu as fait, c'est de la soupe insipide! Brock, c'est pas grave! Si, c'est grave! Y a un truc qui cloche. Dans toute son histoire, y a rien qui tient debout. Et d'abord, pourquoi il t'appelle Loki, par exemple? Tu sais bien que c'est pas son nom! Hé! Hey, je te parle! Oh, ton chien ne ment jamais! Ça pour ça, Odin. Relâche le garçon et affronte-moi. Dis à ton frère de me donner le masque et c'est d'accord. Reste tué. Freya. S'il meurt... Non, non. Ça ne faisait pas partie du plan. Mais s'il meurt, on sera quitte pour Heimdall. Et franchement, ce n'est pas cher payé. Je te tuerai de mes mains, sois-en sûr. Oh, c'était un plaisir de te revoir. Freya, je t'en prie. Tu vas devoir faire un choix, Frigg. Hey! Personne ne bouge, d'accord? N'allez rien faire de stupide. J'ai fait des choses stupides. Te tuer n'en fera pas partie. Lâche mon fils! C'est moi qui donne les ordres! Lâche-moi le masque! Allez! Désolé. Cette guerre aura bien lieu. Je t'en supplie, Sable. Il ne faut... Ne pars pas. Ne pars pas. Peut-être encore en tournant au lac. Laisse tomber. Je sais ce que tu as fait, et je te pardonne, mais tu dois arrêter, tu dois renoncer. En fou, il avait plus d'âme de toute façon. Alors, depuis tout ce temps, c'est...
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant. Maintenant, on tue Odin. Et tous ceux qui essaieront de nous arrêter. Atreus. Viens. Quoi? Où ça? C'est sans importance. Où est-ce que tu vas? C'est fini. Tu ne peux pas fuir, Kratos. Odin ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'arrêterons pas. Nous avons besoin de toi. Eh ben. T'es mieux placé celui-là. Père, où est-ce qu'on va? Chez nous. Bon, allez, chez nous, il y a Thor qui va venir nous chercher, ça va être la bagarre, la grosse bagarre. Père, est-ce qu'on peut... On va le finir ce soir, peut-être. Écoutez. Je veux aller chasser. Je te suis. Nous sommes à tes côtés, Atreus. Nous chassons-nous. Le cerf. Où doit-on aller, petit? Là, où se trouve le cerf. Chasser le chagrin. Souhaites-tu parler de ce qui s'est passé? J'ai cru entendre du bruit. Par ici. Oh, laisse-lui du temps. Ici. Des traces. Ils vont dans cette direction. Il fait comme au début du premier jeu. Atreus, la violence nous change. Ce n'est pas être fait. Ça, c'est ce qui se passait au début du premier jeu. Où Atreus suivait un cerf et tout quand il était tout petit. On est sur la bonne piste. Il y a des branches brisées par ici. Venez. Cette scène. Je la revois. La lame. Rock. Le regard de Sindri. Fils. Le voilà. Coup de levé. La précision avant la vitesse. Mais pourquoi? Maintenant, il s'est enfui. Comme nous l'avons fait. Je ne comprends pas. Lorsqu'un animal est blessé, il doit arrêter le saignement. Sinon, il meurt. Toi et moi avons été blessés. Et ceci...
n'est qu'une distraction. Tout est ma faute. Non. Devrait chercher au fond. Ah, la lame était profonde, ouais. Je crois savoir où nous pourrons le trouver. Je te suis. Est-ce qu'on peut y aller en traîneau? J'aimerais réfléchir à ce que je vais lui dire. Bien sûr. Où que j'aille, je vois des rappels de mes erreurs. Nos actes ont des conséquences. En voir des rappels n'est pas une punition. Ah, et la maman ours qui l'a tué au début. Ensemble. Percer une illusion qui nous a tous trompés. Empêcher une attaque que tu ne pouvais prévoir. Il n'y a pas de si, Atreus. Ton père dit vrai. Il est des choses que même les dieux ne contrôlent pas. Svana. Speki. Nous prendrons le traîneau dès que tu seras prêt. Temple de Tyr, c'est là-bas qu'on va. Ymir, y a-t-il une chance qu'on puisse ramener Brock à la vie? Sindri l'a déjà fait. On pourrait trouver un moyen de recommencer. Ah, je crains que non, frère. Quand une âme dépourvue de Fulgia, de sens, comme celle de Brock, quitte son enveloppe charnelle, eh bien, elle n'atteint pas le lac des âmes. Non seulement Brock est mort, mais son âme n'est plus. Il n'y a rien à ramener. Il est vraiment mort. Théus, s'il y avait quoi que ce soit qu'on puisse faire, je te l'assure, nous le ferions. Je sais. C'est stupide de ma part d'avoir voulu y croire. Le lac soit encore plein d'eau. J'aimerais monter sur un bateau et m'éloigner d'ici. M'éloigner de tout. Tu ne peux pas t'éloigner de tes erreurs. Il est impossible de les oublier. J'ai essayé. C'est juste. Elles te suivront où que tu ailles, petit frère. Si tu dois partir, pars vers un objectif. L'élévateur au bout du pont doit encore marcher. On pourra monter au temple par là. Mon frère, nous devrions reprendre le chemin.
Atreus, qu'est-ce qui te fait croire que Sindri sera là? C'est là qu'ils se sont réconciliés. Reforger une chose cassée. Il sera là. Reforger une chose cassée. Et t'as Kratos à côté. Loot! Odin ne s'en tirera pas comme ça. Le même Odin que tu as invité dans ma maison? Il nous a tous trompés. Oh. Mais certains l'ont été plus que d'autres. N'est-ce pas? Je vous ai tout donné. Mon talent. Mon amitié. Ma maison. Mes secrets. Mes trésors. Et vous avez pris toujours plus. Que me reste-t-il à présent? Je n'ai même plus de famille. Tu parles de regrets? Voilà ce que c'est, des regrets. Je... Qu'est-ce qu'on peut faire? On? Il n'y a pas de on. Il n'y a que vous. Peu importe le prix, ce que vous pouvez faire, c'est me foutre enfin la paix. Viens, Atreus. Laisse-le. Fais ton deuil comme tu entends. Nous étions aussi de sa famille. Nous l'étions. Rentrer à la maison et se préparer à la guerre. Non. Mais moi, je me sentirai déjà mieux quand nous aurons obtenu justice. Justice ? Nous ne poursuivons pas la justice, mais la vengeance. Les chemins que j'emprunte mènent tous à la vengeance. C'est peut-être tout ce qu'il nous reste. Nous devons rejoindre Freya. Quand on reviendra, on partira vraiment en guerre. Ce moment est venu. On était à Svartalfheim, qu'on cherchait Tyr. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas à ça que je pensais. Pas s'il fallait perdre Brock. Bien sûr, Atreus. Nous le savons. On a vraiment tout enlevé à Sindri. Ne prends pas à cœur les mots de la souffrance, Atreus, même s'ils semblent frapper juste. Je sais qu'on doit aller voir Freya, mais j'aimerais bien qu'on reste à Midgard. Juste encore un peu. Oui, pour quelques ultimes aventures qui nous feront oublier, eh bien, tout le reste. Tu parles. Vous êtes sûr que Freya sera toujours à la maison? Pourquoi en serait-il autrement?
Le passage dérobé qu'empruntait Odin était aussi sa porte de sortie. Sans ces maudits corbeaux dans le placard, la maison devrait être sûre. Et elle a besoin d'alliés dans sa quête de vengeance. Oui, c'est notre vengeance à tous désormais. Et sans faux tir pour nous embrouiller l'esprit, ah, il se sera bien moqué de son désir de paix. Et du mien. Mais du coup, c'était le faux tir depuis le début ? Ça, j'ai pas compris ça. En gros, c'était un faux tir depuis le début. Kratos. Des bisous avec Jeanne. Bien. Bonne soirée. L'heure de quoi exactement ? L'heure d'unifier les royaumes contre Odin. Une fois pour toutes. Tyr a tenté d'unifier les royaumes. Le vrai Tyr. Tout le monde l'adorait. Et même lui a échoué. Alors nous devons réussir. Tyr est manchot. Car nous serons les derniers à essayer. Ceci est le Ragnarok. Et Odin est systématiquement au courant de chacun de nos plans. Oui, nous n'avons plus le bénéfice de la surprise. Pire encore, nous n'avons qu'un accès à Asgard. Et il n'est pas discret. Gjallarhorn. Ce qui veut dire qu'on entre par le temple de Tyr ici. Le mur d'Asgard est de ce côté. L'armée des Nériards d'Odin occupera la zone située entre les deux. Autrement dit, il nous faut des armées aussi. Toutes celles qui répondront à notre appel. Odin ne s'attendra pas à un tel nombre. Et ce n'est que pour atteindre le mur. Pour le briser, nous devrons trouver Surt. Ratatos qu'a pu nous fournir ceci. Nous irons tous les trois. Je sais où le chercher. Mmh. Splendide. Des alliés, donc. Sur qui nous pouvons compter ? Je me rendrai à Helheim. Pour tenter de recruter l'armée des morts. Et moi, j'irai à Alfheim, pour unir les elfes. Ah oui, c'est ça, unir les elfes, après des siècles et des siècles de guerre. Eh bien, je suis très populaire à Alfheim. Et toi, à Vanheim ? Oui, pour voir Sigrun, et réunir les Valkyries libres. Midgard n'a pas d'armée. Ni Jotunheim, ni Niflheim. Ça ne laisse que Svartalfheim. C'est moi qui irai. Sindri ? Tu es sûr ? J'irai à Svartalfheim. Il y a des couilles qui lui ont poussé à Sindri. Qu'il en soit ainsi. Lui qui avait toujours peur et tout. Puisse la chance nous sourire. Eh bien écoutez, je vais me stopper là, parce que je pense que c'est la dernière ligne droite, et pour une demi-heure, voilà. Je pense pas qu'on mettra une demi-heure à finir le jeu, et si c'est une grosse ligne droite, ça va être chaud. Enfin, il y aura pas...